La thérapie par réalité virtuelle est une technique innovante hein, qui a été initiée aux États-Unis dans les années 80, dont le but est d'essayer d'immerger les patients dans une forme de réalité qui est une réalité virtuelle, et l'objectif étant d'apporter aux patients une situation qui soit la mieux gérée possible par le thérapeute. Au niveau du champ clinique, la réalité virtuelle pourrait avoir un apport significatif dans beaucoup de pathologies, notamment toutes les pathologies qui étaient prises en charge par les thérapies cognitivo-comportementales classiques, à savoir les phobies en général, que ce soit des phobies sociales ou alors des phobies plus spécifiques, comme par exemple la phobie d'animaux, telles que des araignées. En pratique, le patient va porter un visiocasque. Ce visiocasque, c'est une espèce de paire de lunettes équipées d'écrans en miniature qui vont permettre une immersion complète dans le monde virtuel. Le patient se sent beaucoup plus en sécurité lors d'une séance de thérapie par réalité virtuelle parce que le praticien maîtrise tous les paramètres lors de la séance. Il faudra surtout le montrer au docteur Ernu hein, pour qu'il puisse... À l'origine, dans les thérapies cognitivo-comportementales, nous étions obligés d'immerger les patients dans la réalité, donc les soumettre directement à leurs objets phobogènes. La réalité virtuelle apporte cet élément qui, à mon sens, est essentiel, qui est de pouvoir se confronter à l'objet phobogène sans la brutalité de cette confrontation à la réalité telle qu'on peut l'imaginer. Le champ peut s'élargir également à d'autres pathologies. On sait que dans les phobies de la chute chez la personne âgée, c'est une technique qui marche très très bien.